Nous allons organiser avec ma collègue une après-midi de jeux wallons. Nous allons accueillir les enfants de 8 à 12 ans. Nous allons leur distribuer des jeux, toujours en wallon. Et nous allons passer notre après-midi pendant 2 heures à parler wallon, à leur expliquer les mots en wallon et les jeux. Les différents jeux seront le walloto, le jeu des 7 familles et le memory. Donc le memory, j'en ai créé 3, différentes façons, où les cartes sont retournées sur la table. Ils doivent retrouver les 2 cartes correspondantes et savoir lire les mots pour trouver si c'est vraiment les 2 bonnes cartes. Les créations, c'est les dessins avec les mots. Ils doivent retrouver les 2 mains. Le deuxième jeu, c'est plus l'image et retrouver le mot en wallon. Et le troisième, c'est le mot français et le mot wallon à retrouver. Les fruits, j'ai appris gros Canada, ça veut dire une pomme de terre. Et le cheval et son poulain, c'est El Chedo et El Poulain. Alors, je vais. Les spinasses. C'est des épinards. Bien vu, purée, vous êtes forte, hein. On a appris par exemple les légumes ou les fruits en wallon. Par exemple, j'ai retenu des spinasses, c'est-à-dire des épinards. Et un céleri. Celle qui l'a. Ah, j'en ai un. Voilà. Les murs, que c'est les murs. Et les coupiales, que c'est les couteaux. Un médecin. Donc on dira un médecin. Un tabourin. Il y a des mots qui sont fort ressemblants au français, comme tien qui veut dire chien, tia qui veut dire chat, mais il y a des mots qui sont un peu plus compliqués, qui ont une consonance différente du français, comme par exemple elle cote, donc la robe. On a le paletot, qui est le manteau. On a la coupiche, qui est la fourmi. On a le vitoulet, qui est la boulette. Et on a les battantes, qui sont les volets. Moi, ça me tient très à cœur que les enfants sachent parler wallon, qu'on continue à perpétuer ce beau langage. Jim Kerr qui bat, je vis volti une belle Wallonie.